Comment bien choisir son genre en fonction de sa morphologie? Grande et mince, un jean près du corps. Comme le rappelle Laure Deray, conseillère en images spécialisée en analyse stylistique et morphologique, le choix de votre genre va dépendre de vos objectifs. J'explique à mes clientes qu'il y a leurs objectifs morphologiques et leurs objectifs de style, de communication, d'image qu'elles aimeraient dégager. Ces deux objectifs ne vont pas toujours dans le même sens, donc il faut apprendre à prioriser. Une femme grande et mince qui souhaite allonger sa silhouette au maximum devrait porter des escarpins pointus, mais cela dégagera une image sophistiquée et féminine. Si sa priorité est plutôt un style décontracté, tendance et dans l'air du temps, on lui conseillera de plutôt faire des revers, dégager sa cheville et mettre des baskets. Si vous souhaitez rester grande et mince, quel jean? Pour renforcer la longueur de votre silhouette, la conseillère explique, il faut opter pour un jean très près du corps comme un slim ou un skinny. Le slim est assez moulant, il souligne les courbes naturelles de votre corps en les épousant. Le terme anglais skinny signifie maigre, on comprend donc moulant. Le jean skinny sous-entend qu'on le porte comme une seconde peau. Quelle matière? Misez sur des toiles plutôt fines pour allonger la silhouette. Initialement, le denim est composé exclusivement à base de coton. Aujourd'hui, on trouve des jeans avec un apport de fibres élastane, de soie voire de cachemire. Il est donc très facile de trouver des jeans à toile légère. Le fait de contenir du lycra galbe également la silhouette et souligne les formes. Quelle couleur l'experte précise? Optez pour un jean brut, de préférence uni, sans délavage. Quelles chaussures? Des chaussures en camailleux et à bout pointu pour allonger davantage la jambe, par exemple des chaussures noires sur un jean gris ou des chaussures bleu marine sur un jean brut. Choisissez un talon fin si votre mollet est aussi et barre oblique ou une bride de cheville fine, là encore proportionnelle. Quels accessoires? Côté ceinture. Optez pour une ceinture fine si vous avez un bassin étroit et en harmonie avec la minceur de votre silhouette. Une ceinture en camailleux avec la couleur du jean permettra également d'allonger la silhouette. Si vous avez un buste court, la taille de votre jambe doit se trouver niveau nombril ou doit être basse pour allonger votre buste. Si vous avez des jambes plutôt courtes et que vous souhaitez les allonger, préférez un jean taille haute. Si vous souhaitez casser le côté élancé, quel jean? Le jean girlfriend est ajusté essayant sur les femmes élancées. Il a plutôt une taille normale ou basse. Il est large au niveau du bassin et se resserre sur le bas de la jambe. On peut également l'appeler carreau ou carreau slim car il s'agit de la même coupe. Quelle matière? Laure Deray explique, optez pour une toile un peu épaisse avec des délavages plus clairs dans le sens horizontal qui vont donner l'effet de couper la jambe. Si vous souhaitez un jean effet usé, choisissez des déchirures dans le sens horizontal également. Quelle couleur? Si votre taille vous gêne et que vous souhaitez paraître plus petite, il faut casser votre silhouette en deux avec deux couleurs à contraste. Par exemple un jean coloré en bas porté avec un top blanc en haut. Quelles chaussures? Pour avoir l'air moins grande, mieux vaut opter pour du plat comme des baskets contrastées, par exemple associer un jean clair avec des baskets de couleur. Vous pouvez également porter des talons compensés à semelles contrastées. Quels accessoires? Toujours pour casser l'effet jambes longues, choisir une ceinture qui va venir contraster la couleur du jean. Par exemple une ceinture camel ou rouge sur un jean noir ou brut te fera parfaitement l'affaire et aura l'avantage de marquer la taille.
Vous pouvez également opter pour un joli foulard glissé dans les passants. Astuce. L'experte conseille de faire un revers en bas de votre jambe, pour permettre de casser le côté allongé de la jambe et apporter du dynamisme. Plus le revers est large, plus on raccourcit la silhouette. Petit et mince, un jean moulant pour allonger. Vous souhaitez mettre en valeur votre silhouette mince et l'agrandir. Quel jean ? Lorsqu'on est mince, on peut se permettre les coupes moulantes. Lors des raies précises, le but étant de s'allonger au maximum, optez pour un jean près du corps, de type slim ou skinny. Quelle taille ? Si vous avez des fesses plutôt petites, choisissez un modèle taille basse. Celles qui sont dotées d'un fessier rebondi opteront pour un modèle taille haute. Quelles chaussures ? Afin d'allonger au maximum vos jambes, optez pour des talons. Si porter des talons n'est pas vraiment votre tasse de thé, la conseillère en image rappelle, il faut choisir des chaussures plates avec un léger compensé afin de redonner un peu de hauteur. Un talon compensé pas trop large pour rester dans les proportions de la cheville. À éviter, les chaussures plates sont à éviter au maximum, mais la conseillère précise, si pour vous, il est vraiment inconcevable de porter des talons, il vaut mieux que le type de gens qui accompagnent vos chaussures plates laisse la cheville dégagée ou soit près du corps comme un slim. Également, il faut éviter de faire un revers à votre jambe car cela a tendance à tasser la silhouette. À savoir, stop aux idées reçues, le jean flare et le jean pâte def conviennent également très bien aux petits gabarits. Lors des réexpliques, ce type de jean est assez large, il ne donnera pas une grande sensation de hauteur, il doit donc impérativement être porté avec des chaussures à talons avant de poursuivre, quitte à le porter un peu long avec les talons complètement recouverts et cachés. Petite et ronde, un jean foncé et au niveau du nombril. Vous souhaitez prendre de la hauteur et vous affiner. Quel jean ? Choisir un jean bootcut, flare ou légèrement évasé afin de redonner du volume au mollet. L'experte explique, si vos mollets sont ronds, il faut éviter de les mouler dans un jean slim. Le jean bootcut ressemble au jean coupe droite, il est ajusté au niveau des fesses mais n'a pas les jambes droites. Il se resserre plus ou moins légèrement au niveau des genoux, il épouse les cuisses tout en leur laissant de la marge et s'élargit sur le bas au niveau de la cheville, mais pas autant que pour une coupe flare. Justement, le flare est un jean qui se porte long et s'évase généreusement au niveau des mollets. Quelle couleur ? Optez pour des couleurs foncées comme du kaki ou du marine, du prune car elles ont tendance à affiner. Quelle matière ? Afin d'être à l'aise dans votre jean, la conseillère explique, choisissez des toiles qui contiennent un peu de lycra pour apporter du confort mais attention. Trop de lycra peut créer des sortes de plis qui ne mettent pas le corps en valeur. Le but est de trouver le bon mix entre une toile qui n'est pas trop épaisse, qui contient un peu de lycra, mais qui reste ferme et gainante. Quelle chaussure ? Si vous êtes ronde, il est préférable de porter le jean flare ou pâte def avec des talons pour affiner la silhouette. Quels accessoires ? Lors des raies explique qu'il est préférable de choisir une ceinture large et opter pour du ton sur ton. Choisissez une ceinture d'au moins 3 ou 4 cm et qui ne contraste pas avec la couleur du jean. Par exemple, préférez une ceinture noire si votre jean est noir. Vous pouvez tout de même jouer sur les contrastes de matière pour apporter une touche stylistique, par exemple une ceinture vernis noir ou en cuir grainé avec une toile de jean plutôt lisse. À éviter, lorsqu'on est ronde, les matières brillantes, satinées, huilées sont à bannir, il faut privilégier les matières mates. Les tailles basses sont à proscrire, afin d'éviter que les petits bourrelets dépassent du jean. Évitez également les délavages très clairs au niveau des parties que vous ne souhaitez pas mettre en avant.
Un délavage clair au niveau des cuisses va accentuer le volume de celle-ci. Il est préférable d'éviter les broderies, les déchirures et les motifs en général. Si vous craquez sur un jean imprimé, veillez à choisir un motif à fond foncé au graphisme fin, par exemple des feuillages aux branches fines et verticales. Au niveau du boutonnage, la conseillère explique, il faut éviter les boutons et les pressions qui créent des plis et une surépaisseur au niveau du ventre. Pensez plutôt à privilégier les zips. L'idéal serait un zip côté qui a l'avantage de ne pas avoir le soupon de la braillette qui donne un effet rebondi et volumineux. Au niveau des poches avant, évitez les poches à rabat et privilégiez les poches assez plaquées. Vous pouvez opter pour une poche passepoil ou un zip un peu en biais qui va venir apporter un effet allongeant et couper le haut de la cuisse. Rééquilibrer les proportions. Quand on est ronde, l'idéal est que la taille du jean soit au niveau du nombril pour gainer et plaquer le ventre. Quand le jean est trop taille haute, le bas du ventre fait une bosse et ressort, ce qui ne met pas en valeur la silhouette. Conseil. Évitez de prendre un jean qui est un peu grand à l'essayage, en général le jean qui contient du lycra va se détendre un peu. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite. Hanche large, surtout pas de slim. Vous souhaitez équilibrer vos hanches avec vos mollets. Quel jean? Afin d'aligner vos hanches en harmonie avec vos mollets, la conseillère en image explique. Le bootcut, le regular, le flair, les pantalons évasés en général sont des modèles de jeans adaptés aux hanches larges. Le jean bootcut ressemble au jean coupe droite, il est ajusté au niveau des fesses mais n'a pas les jambes droites. Justement, le flair est un jean qui se porte long et s'évase généreusement au niveau des mollets. Enfin, le regular est un jean à la coupe ni trop serré, ni trop large, un bon basique. À éviter, les slim et les skinny qui vont mouler et accentuer le volume proéminent de vos hanches. Conseil, il est indispensable d'essayer un jean avant de l'acheter. Si vous êtes adepte du shopping sur internet, privilégiez ceux où l'on peut voir le jean porté dans une vidéo afin de vous rendre compte des détails et du rendu. Mais la vidéo ne vous donnera pas d'indication sur le toucher des matières, le confort ou la qualité des finitions. Fesses rebondies, un jean slim ou regular. Vous souhaitez diminuer le volume de vos fesses. Quel jean? Les slim et les regular sont des jeans qui feront paraître votre derrière moins imposant. Quelle matière? Pour diminuer le volume des fesses, optez pour des matières gainantes et mates. Quelle poche? Évitez les poches à rabat sur les fesses ainsi que les zips horizontaux. Choisissez des poches plaquées, pas trop petites, pour minimiser la taille de vos fesses. Quelle taille? Pour mettre votre postérieur en valeur, choisissez un jean taille haute. Le jean taille basse aura tendance à redonner du volume à des fesses déjà bombées. À éviter? L'effet des lavés, les motifs, broderies et strass qui attirent l'œil. Conseil, quand vous allez faire votre shopping, prenez une paire de talons et de chaussures plates ainsi qu'une ceinture dans votre sac pour voir votre jean en situation. Fesses plates, misez sur le bootcut avec des poches. Vous souhaitez redonner du volume à vos fesses. Quel jean? Lors des rêves vous conseille de choisir le bootcut car il est ajusté au niveau des fesses. Le jean bootcut ressemble au jean coupe droite, il est ajusté au niveau des fesses mais n'a pas les jambes droites. Il se resserre plus ou moins légèrement au niveau des genoux, il épouse les cuisses tout en leur laissant de la marge et s'élargit sur le bas au niveau de la cheville, mais pas autant que pour une coupe flare. Pour gagner en volume,
Vous pouvez également opter pour le jean môme avec sa taille haute, son bassin plutôt large et ses jambes droites affuselées. Selon l'experte, les jeans effet push-up feront également parfaitement l'affaire. Le jean push-up n'est pas un modèle précis de pantalon mais plutôt un système de couture, de poches bien placées, et de délavage spéciaux pour rendre votre derrière plus bombé. Quelle matière ? Vous pouvez jouer sur des matières un peu épaisses comme de jolis lainages, également des matières légèrement irisées. Quelle taille ? Privilégiez un jean taille basse qui va venir apporter du volume aux fessiers, mais si vous avez un ventre un peu rebondi, choisissez un jean avec une taille au niveau du nombril. Quelle poche ? Optez pour des poches à rabat qui vont donner un effet de volume. À savoir, le jean boy free n'est pas l'idéal pour les fesses plates mais vous pouvez le porter avec des chaussures à haut talon pour donner un côté élancé. Attention, votre boy free ne doit pas être trop large au niveau des fesses. Astuce, des broderies ou des motifs au niveau des fesses vont venir apporter du volume. Silhouette en H, le jean à la coupe garçon. Vos épaules et vos hanches sont harmonieusement alignées mais votre taille n'est pas du tout marquée. Les jeans qui vous conviendront le mieux sont ceux qui apporteront des formes à vos fesses et à vos hanches. Quel jean ? Le boy free vous ira à merveille car il ne marque pas la taille. Le boy free, c'est un peu le jean surtaillé qui semble avoir été emprunté à son petit ami, il se porte taille basse, de façon assez large et roulé au mollet pour dégager les chevilles et redonner de la féminité. Quelle couleur ? Délavé ou très clair, imprimé ou avec des motifs, laissez libre cours à votre fantaisie si votre but n'est pas d'amincir vos jambes. Quelle chaussure ? Si votre morphologie est en H et que vous êtes ronde, vous pouvez également choisir le boy free et l'accompagner avec des talons compensés. Par exemple l'été avec des espadrilles, l'hiver avec des bottines à talons un peu carrés, très tendance. Conseil, plus votre cheville est fine, plus il faut vous diriger vers des talons fins. Plus votre silhouette est ronde et vos mollets larges, plus il faut choisir des talons carrés. Le dernier mot de l'ordre est, vous l'aurez compris, choisir le bon genre demande une bonne connaissance de sa morphologie et nécessite de bien définir ses objectifs en termes de style et de communication. Le temps d'essayer différents modèles vous permettra de mieux comprendre l'impact de chaque détail et affûtera votre regard. Choisir un jean de qualité est essentiel car c'est une pièce intemporelle que vous garderez année après année et saison après saison. N'hésitez pas à jouer avec, jouer la casual ou sophistiquée en misant sur les accessoires. En bref, amusez-vous et aimez-vous.